Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette finale Rocket League de Canadian Championship Esports Nationals entre l'Université de Montréal, notre équipe à nous, et St. Clair Saints. Donc ce soir, c'est la grande finale. À 19h, ça va commencer sous peu. J'espère que votre soirée va super bien. Ça va être juste moi ce soir, Zest, premier stream hier. Deuxième, on me confie la grande tâche d'animer cette finale. Donc j'espère que je vais être capable de vous apporter une bonne soirée avec beaucoup de plaisir. Puis on espère que nos bleus vont gagner. Ce soir, ça va être un BO7, puisque c'est la grande finale. Ça va être la même équipe que hier. Ça va être Sim de Goon. Ça va être notre cher Jerry et Banane qui vont essayer d'emporter. C'est une grosse game, une grosse partie, une grosse victoire. J'ai parlé à Sim hier, ils ont l'air confiants. Donc, on leur envoie des ondes positives, puis on espère que ça va bien se passer. Merci à tout le monde qui vont venir nous encourager. Donc, on va commencer ça sous peu. Moi et Sim, on a préparé un petit quelque chose de spécial avant la partie. Je vous prépare ça dans quelques instants. Donc, dites-moi vos prédictions dans le clavardage. Dites-moi comment ça va. Qu'est-ce que votre prédiction best of 7? On espère que les gars vont se donner parce qu'on sait qu'ils sont capables. Super performance pour ceux qui ont raté le stream d'hier. Ils ont gagné 3-1 le quart de finale et 3-0 la semi-finale. Quelques matchs assez proches, mais en général, on dominait. 4-1 EDM, c'est autre, on aime ça. On va parler d'un sweep, d'un 4-0 peut-être. On va voir. C'est sûr que ça va être difficile. Donc, merci pour les prédictions. Donc, la partie devrait commencer dans à peu près 5 minutes. On va vous préparer un petit quelque chose. C'est vrai, il faut jamais sous-estimer aucun adversaire. C'est une grande finale, tout peut se passer. J'ai même moi qui joue avec l'équipe 2, on a déjà gagné des grosses parties, on a déjà perdu des parties qu'on ne s'attend pas. C'est un contexte de tournoi, tout peut se passer. Il y a toutes sortes d'histoires. Les deux équipes sont en 5-0. Ils n'ont pas échappé une série du group stage et après ça du élimination. Donc faut pas sous-estimer, ça va être un excellent match, ça va être chaud. On est ici pour du bon Rocket League, donc on espère que ça va être des matchs assez proches. On espère de voir des beaux tirs, des beaux jeux d'équipe. On le sait que nos gars sont capables.
Ils ont joué la saison dans le Open League ensemble. Donc, on le sait qu'ils sont capables. Ils ont une bonne chimie d'équipe. Donc, on leur souhaite que du succès. On envoie des ondes positives. Donc, mesdames et messieurs, veuillez déposer vos manettes et souris pour l'hymne national de cette partie. Donc, c'était ça, l'hymne national, il faut supporter notre pays. Malheureusement, le Canada s'est incliné aujourd'hui 4-1 contre la Croatie, parlant un petit peu de soccer. Mais on espère que nos bleus de l'Université de Montréal vont être capables d'emporter cette victoire. On est fiers pareil, effectivement. On est fiers de notre pays. On est fiers de notre université. Bien sûr que c'est toutes des universités canadiennes, donc on se bat contre le même drapeau, mais l'Université de Montréal, on est bleu, puis on le sait qu'on va être capable d'emporter cette série. Donc, la partie devrait commencer sous peu. C'était supposé commencer à 7, donc on va essayer d'avoir tout le monde dans le lobby le plus rapidement possible pour vous offrir une série sans délai. J'espère que tout le monde va bien encore une fois. Et j'ai pratiqué un peu avec Semia, on a fait quelques parties, puis ça jouait très bien, donc je suis sûr qu'il va être capable de garder le momentum. Banane et Jerry, on s'inquiète jamais, toujours deux joueurs en pleine forme. Isma, salut Isma, comment tu vas? Bonjour tout le monde. N'ayez pas peur de dropper un petit follow pour supporter l'Université de Montréal. N'ayez pas peur de dire vos prédictions, pensez ce qui va aller. Puis n'oubliez pas, si vous voyez un but, un beau but, on n'oublie pas de clipper. On a besoin des clips pour encourager notre équipe, promouvoir l'Université de Montréal. Puis c'est toujours beaucoup de plaisir avoir des beaux buts puis avoir des beaux clips. Donc on espère qu'on va avoir des beaux jeux d'équipe aujourd'hui, ce soir. Alors pour ceux qui viennent de se joindre au stream, c'est la finale du Canadian Esports National entre l'Université de Montréal et Saint-Clair.
Les deux équipes ont fini 5-0 dans leur série, ils n'ont pas droppé une série. Donc ça va être chaud. C'est vraiment les deux meilleures équipes qui sont là. Donc ça va être du beau Rocket League, ça va être du beau contenu. On a hâte de voir la performance qu'ils vont nous livrer. Donc je me fais informer que ça commence bientôt. Je crois qu'on set up bientôt le lobby. Ça devrait commencer dans quelques minutes, on l'espère. Un bon BO7. Donc premier à 4. Victoire soit emparée. Et oh! Je vois les joueurs qui commencent à joiner. Donc on s'en va pour le match. Donc c'est parti les amis. Allez, bonne partie. Let's go les bleus. Donc ça va être un face-off. Assez neutre dans le coin. C'est Christian qui va remettre dans le coin. Attention, double commit. Il y a Spooz qui va s'apporter sur le coin. Beau 50 de Jerry. Sim de Goon va rater cette balle, mais Banane est derrière. Banane dans le coin. Très gros clear pour donner de l'espace à l'université, mais c'est toujours repoussé. Et Christian, un petit fake. Banane va reprendre. Banane dans le coin, un petit pinch. Mais on a Spooz qui attend. Qui va rater sa double touch après. Sim de Goon un petit peu mal placé, mais c'est correct. Jerry reprend le ballon. Il va repousser sur le coin, mais c'est encore intercepté une fois par Spooz. Christian qui va faire un tir parfait dans la partie supérieure. C'est 1-0. Donc on voit début de partie déjà beaucoup de pression. Quelques peut-être erreurs défensives. Je crois qu'on n'avait pas beaucoup de boost dans le filet. Mais c'est un tir parfait. Donc, la lucarne. On va essayer de se reprendre ici. Banano face-off avec Christian. C'est gagné par 5, mais on reprend par... Jerry qui s'en va d'un super beau bump. Mais c'est Quint qui reprend, bien fait. Jerry va remettre double touch sur le wall. C'est raté par Christian, beau challenge. Sim de Goon va devoir faire attention, c'est le dernier. Il se fait battre sur le mur par Quint qui part à un dribble, qui s'en va au plafond. Jerry bien fait, il va repousser cette balle. Spooz, c'est bien challengé par Banane. Banane, pas beaucoup de boost, va tenter de faire... quelque chose avec ça, c'est Jerry qui remet au centre. On va peut-être avoir une touche au plafond. Non, Spooz qui reprend facilement la balle. Christian, super belle déviation. Mais c'est un peu raté en haut du filet. Jerry va reprendre, pas tarder. Beau 50-50. Christian va devoir arrêter cette balle. C'est bien repoussé. Spooz qui s'en va pour un 50, prendre le carburant au complet. Il va essayer de mettre sur le côté. Passe Banane. Un peu de boost pour le dribble. On va voir ce qu'il peut faire. Flip reset, mais c'est raté. Banane reprend dans le coin. Donc, pas beaucoup de tirs dans cette première minute et demie. On voit que ça s'échange quand même le ballon. On a un petit peu plus, je dirais, de pression du côté de... Un petit peu plus de côté de Saint-Clet, mais on va voir ce que l'Université de Montréal va pouvoir faire. Donc, Sim de Goon tire super quel arrêt de Quinn. Je crois que c'est un peu trop haut, mais quand même, c'est dangereux comme ballon. Et attention, un round goal peut-être. Et non, c'est raté encore la barre transversale. Mais Jerry qui lâche pas le ballon. Jerry met un 50, super beau centre. Banane qui essaie de mettre en bas, c'est raté. Sim de Goon, la barre transversale. Et là, on voit qu'on ouvre la machine offensive qu'on a vu hier. Mais c'est encore raté. Et Spooz va devoir dégager. Attention, on n'a pas beaucoup de boost. Banane qui part à un dribble. Il en bat un. Après ça, un à battre. Christian se fait démo dans le net. Oh, et c'est. Sim de Goon qui remet le but! Waouh! Toute une pièce de jeu montée par Banana. Un dribble qui va en battre un. Après ça, qui s'en va démo Christian. Spooz qui va rater ce ballon. Beau fake de Sim de Goon. Et c'est 1-1, les amis. Donc, on reprend la mise en jeu. C'est Sim de Goon qui va la remporter vers la droite. Jerry qui va se battre pour le boost. Il va laisser pour Banane. Banane part encore à un dribble. C'est sur la barre encore un peu. Jerry va remettre. C'est Spooz qui va arrêter aisément ce ballon. Qui va partir à un dribble. C'est Sim de Goon qui va rater la balle. Spooz qui va mettre dans les airs pour Christian. Mais Banane est déjà au centre pour arrêter. Qui se met au plafond. Et non, Jerry va rater malheureusement. On va voir. Attention. Pas trop envoyer de joueurs à l'attaque. C'est Spooz qui va prendre sur le côté. Sim de Goon. Patient, Spooz, aucun carburant, mais va quand même réussir à mettre par-dessus Sim. C'est Jerry qui reprend dans la zone centrale. Et un fake par-dessus, un petit 50-50. C'est Banane qui va essayer de reprendre. Banane flip reset sur le backboard. C'est Spooz qui est capable de remettre. Mais là, on voit là, que l'Université de Montréal met beaucoup de pression sur. Oh, Jerry qui a failli avec le tir du plafond. On voit qu'on met beaucoup de pression.
C'est Sim de Goon, attention! Et quel but de Sim de Goon qui va réussir à pincher ce ballon. On met de la pression, ça n'a pas beaucoup de boost. Qui la remet sur le plafond et pinch avec la balle. Impossible pour Christian Sirone. Quel beau tir, 103 km à l'heure de Sim de Goon. Et on prend l'avance de 1 avec 1 minute 45 à faire. Donc à la mise au jeu, c'est Jerry qui va en battre 1, qui va en battre 2. C'est Banane qui s'amène en contrôle, c'est qui est bon. Et quel flic de Banane dans la partie supérieure. Jerry a tout fait le travail ici sur le double 50-50 qui gagne. Quint ne pouvait pas challenger parce que Banane était là avant. Et fait un super beau flic vers la gauche. Quel beau but de Banane. C'est 3-1. Donc il reste 1 minute 40 à faire. Ici, Sim de Goon qui va s'envoyer du ballon à la mise au jeu. C'est Spood qui va reprendre dans son territoire, qui va la mettre au plafond. On va tenter le flip reset, mais il n'a plus de carburant pour s'y rendre. C'est Banane qui va reprendre, va mettre dans son coin. Beau petit jeu, mais attention, Quinn qui reprend le ballon vers le centre, qui le met vers l'arrière, peut-être pour Spood, effectivement. Spood qui part à un dribble, c'est contesté par Jerry, bien fait. Sim de Goon va devoir faire attention, oh, attention, ballon dangereux. Petite erreur peut-être de Sim de Goon, peut-être manque de communication, mais c'est correct, Jerry va reprendre le ballon. Jerry dans le coin, beau 50-50 vers le du filet, mais il n'y a personne malheureusement pour intercepter ce ballon. Banane qui va remettre au centre, Banane aucun carburant, va devoir laisser à quelqu'un, effectivement c'est Jerry qui reprend sur le côté. Jerry met au centre, mais il n'y a personne pour accompagner cette belle attaque. Et là on a Spooz, attention, Spooz, et quel but de Spooz, wow, super belle passe au centre de Christian. Spooz qui trichait un peu, il va réussir à battre deux joueurs de l'Université de Montréal qui se rendront pas à temps au ballon. C'est très bien fait de Spooz, c'est 3-2, il reste 48 secondes, c'est pas fini. Va falloir faire attention et resserrer un peu la défensive du côté de l'UDM. C'est Sim de Goon. À la mise en jeu, qui s'est gagné aisément. Va mettre sur le côté Spooz, bien contesté par Banane. Ça s'en va de l'autre côté du terrain. C'est Quint qui va remettre. Quint s'en met en partie et c'est bien repoussé par Sim de Goon. Attention, là, un petit double commit entre Jerry et Banane pour faire attention. On sait qu'ils sont capables de capitaliser. Saint Clair, c'est Quint qui remet vers le centre. C'est la barre transversale. Bien fait de Banane qui remet. C'était dangereux cette balle-là. On a bien fait de s'en débarrasser. Et là, Banane qui va avoir un petit bump pour Jerry. Banane qui se replie aisément en défensive. Oh, Quint, mauvaise touche, mais qui se fait bumper. Donc, Banane ne pourra pas continuer son action. Attention, on se pousse. On sait qu'il est dangereux. Il s'en vient. Banane bien repoussé. 5 secondes. Faut juste clearer cette balle. Attention, Sim de Goon, clear vers le centre. Quint, une dernière attaque peut-être. Va remettre et c'est une victoire de l'UDM dans cette partie 1. Waouh, c'est bien fait, c'est bien fait. C'était proche, mais on s'en sort avec la victoire. Alors, bien fait de la côté de l'Université de Montréal. Alors, on m'a demandé de changer la map. Alors, c'est 1-0 l'UDM. C'était une partie très. Ça va être une bonne série, là. 3-2 pour l'Université de Montréal. Il y a eu des champs des deux côtés. On va faire attention à cette partie. C'est clairement la série qui va être la plus dure. On voit que le niveau est très élevé. Jerry qui reprend. Jerry en fait qu'un. Et il va remettre au centre. Beau 50. Mais Christian va remettre le ballon. Christian va remettre à Banane. Banane bien repoussé. Christian qui a peut-être un charme en voiture. Peut-être on.
On va vers la fenêtre, peut-être qu'on va penser qu'on va faire des un jeu banane, beau clear. Il y a personne, par exemple. C'est Spood qui rate la balle, attention, banane irait au centre. Spood, encore une fois, rate, Sim de Goon met dans le coin, mais c'est repoussé par Quint. Quint qui reprend le ballon. Banane attend patiemment, qui va s'en aller sur le mur. Et c'est pas un dribble, peut-être un fake en dessous d'un. Et quel but de Banane! Et Banane, il veut finir cette série le plus rapidement possible. Garde son flip. Et on a-tu un flip reset? Oui, quel flip reset de Banane! Waouh! Quel beau but! Il va complètement défaire la défensive du côté de Sinclair. C'est bien fait, 1-0. Attention, là, le face-off est perdu, ça peut être un petit peu gênant, mais Jerry va bien reprendre. Jerry, flip reset peut-être. On a une démo du côté de Team de Goon. Va falloir faire attention à l'Université de Montréal. Banane qui attend patiemment sur le mur, qui va remettre vers le centre. Qui essaie le contest sur Christian, mais c'est pas fait. Oh, ça aurait pu être dangereux, mais Spoudy qui remet le ballon dans le centre. Attention, Quint va se mettre une touche vers l'opposé, mais il n'y a personne. Jerry va reprendre facilement. Qui passe au centre vers Banane. Banane dans la partie supérieure et rate de peu le double touch chez Sim de Goon. Sim de Goon, quel arrêt de Quint. Ça a passé près de faire 2-0. Va falloir continuer la belle pression. Attention, double commit de Quint et son coéquipier, mais c'est bien fait. Banane sur le mur qui va intercepter ce ballon. Qui ne laisserait pas de chance à Spoo de continuer son attaque. Christian conteste le ballon, mais c'est Jerry déjà qui est là pour reprendre. Après ça, on est dans le coin. Oh, un petit bump. Et c'est une belle arrêt, encore une fois, de Quint. Wow, Quint qui fait des beaux efforts défensifs. On avait le ballon. La lucarne presque vide, mais on s'en est sorti bien. Banane qui va remettre pour lui-même au centre. Belle arrêt, attention, on se fait bumper. Mais c'est correct. Sim de Goon est là pour contester le ballon. Banane, ça porte sur le mur, mais aucun carburant. Va falloir repenser deux fois avant d'aller au ballon. Jerry qui se met, conteste bien Christian, qui va l'empêcher de continuer son action. Banane qui remet dans les airs pour lui-même. C'est repoussé par Christian, pardonnez-moi. Jerry qui s'en vient, essaie pour le bump. Jerry bien repoussé par Spoods. Banane n'a pas réussi à compléter le bump sur Spoods. Donc c'est une belle arrêt encore une fois. C'est Banane qui reprend. Banane dans le coin. Il s'en défait d'un joueur, mais Quint est là pour contester. Jerry reprend le ballon. Sur le mur, c'est coupé par Sim de Goon, bien fait. Vers le centre, Spoozy déjà sur le mur, on challengera pas tout de suite. Banane, beau contest, Sim de Goon, beau contrôle du ballon. Va reprendre dans le coin, on va voir ce qu'il peut faire. S'en va sur le plafond et non, c'est un pinch qui est repoussé en zone de l'Université de Montréal. Banane, attention, on a une démo, bien contestée, il reste aucun joueur défensif. Mais Spoozy est sur le mur pour reprendre cette balle et temporiser l'action. Oh, et beau jeu, je sais pas tout à fait ce qui s'est passé ici, on va voir. Donc Spooz qui reprend vers le centre, qui envoie voir son coéquipier. Après ça, Quint qui fait un tir. Ah, c'est pinché, je crois, avec Banane. Je pense que Sim de Goon avait l'arrêt. Qui l'envoie son coéquipier, qui résulte en un but dans notre propre filet. C'est 1-1. Donc on va reprendre ici. Sim de Goon qui reprend le ballon. C'est Quint qui va prendre, partir à un dribble. C'est défait de Banane. Attention, Jerry tout seul en défensive va devoir bien faire. C'est bien repoussé. Belle pression de Sim de Goon pour pas laisser Spooz prendre aucun tir. Attention, Christian qui est rapide sur le challenge. C'est correct. On renvoie un petit peu une balle de ping-pong en ce moment. Mais c'est correct. Donc ici, on remet sur le backboard. C'est Banane qui prend le ballon et repose pour lui-même. Attention, beau démon de Christian qui va peut-être ouvrir un jeu offensif pour Sinclair qui remet vers le centre. Quinn bien fait, mais il n'y a personne encore une fois pour reprendre le ballon. Donc Banane part un jeu, bon on le sait qu'il est dangereux, va pour le flip reset réussi, mais c'est bien contesté cette fois-ci par Christian. Et Quinn qui va compléter le dégagement pour Spoods sur le côté. Spoods essaie de faker, beau challenge de Sim de Goon. Banane qui remet dans le coin mais c'est repris par Christian. Banane qui est premier au ballon encore une fois, se met sur le plafond et remet à Sim de Goon. Sim de Goon qui va aller sur le mur, on va voir s'il peut faire de même. Mais sur le plafond au centre, pinché, malheureusement c'est un petit peu trop fort et loin. Il n'y a personne qui peut toucher ce ballon. Christian qui prend un tir, attention, Banane s'en défait bien. Quint qui va remettre, on a un démo sur le backboard, filet temporairement ouvert, double démo. Attention, là, on va pouvoir faire attention. Sim de Goon s'en défait d'un autre avec un démo. Jerry, une belle arrêt, mais attention, c'est dangereux devant le filet. Banane, quel arrêt! Quint tire un petit peu raté, mais Banane se défait bien du ballon. Attention, la pression est forte là, du côté de Sinclair, va pouvoir se défaire du ballon. Banane beau flic par-dessus, un Spoo du remet sur son propre filet, c'est bien arrêté. Oh, attention Jerry qui était overcommit un peu, mais Banane est là pour arrêter le ballon. Beau pinch sur le mur, Quint qui remet en zone adverse.
Banane qui remet au centre pour Sim de Goon. Sim qui remet bien vers le côté adverse. Il reste 20 secondes, on a potentiellement overtime. Alors c'est Jerry. Jerry qui remet pour lui-même, qui remet dans le coin. Encore une fois, passe à défait de joueur. Ah, c'était bien pensé, mais Sim de Goon qui envoie sur Quint. Attention, là, il y a une tête de lance, mais non, Banane se défait du ballon. 2 secondes, va falloir faire attention, pas d'overcommit ici. C'est bien fait, on s'en va en overtime pour la deuxième partie, allons-y. Mise en jeu remportée par Saint-Clair, mais c'est l'Université de Montréal qui reprend aussitôt. Banane qui met au plafond pour lui-même, c'est raté. C'est Christian qui va prendre un tir. Sim de Goon. Oh, Jerry vient à la rescousse de Sim de Goon. Je crois qu'on n'avait pas beaucoup de carburant, mais Sim de Goon, beau challenge. Jerry qui remet encore une fois dans le coin. Banane qui s'en va. C'est un 1 contre 1. Attention, on va voir ce qu'il peut faire. Il la remet dans les airs. Un dribble. Et c'est bien arrêté par Christian. Ça passe près d'être une deuxième partie consécutive pour le DM. Sim de Goon qui va démo Christian. Jerry qui remet au centre. Attention, mais Banane est premier au ballon. Bien fait. Christian qui reprend dans son propre coin, va partir à un dribble, il va essayer de remettre vers le centre, ça défait Sim de Goon, mais par-dessus Jerry. Attention, sur le poteau, il va falloir faire attention, le ballon revient vers le filet, mais il n'y avait personne, heureusement. Spoods qui va remettre vers le plancher et essaie de bump, mais Banane s'en défait bien. Jerry qui met au centre, Jerry, malheureusement il n'y a personne, c'est bien contesté par Christian. Banane qui va pas laisser Quinn faire aucune action, attention, aucun boost pour Christian, mais qui va quand même 50 avec Banane. Spoods qui reprend, attention, on sait qu'il est dangereux, Spoods. Bien fait, Quint. Là, on voit que Saint-Clair met beaucoup de pression, mais attention, ça pourrait être un but pour Sim de Goon. Bel arrêt, c'était bien pensé. On a bien triché sur ça, mais Spoods était en repli défensif et peut se défaire du ballon facilement. Sim de Goon remet vers l'arrière, malheureusement, il n'y a personne. Banane va contrôler le ballon, partir avec son boost et on se replie défensivement pour commencer une nouvelle attaque. Banane va peut-être pinch avec le sol et c'est Spoods qui remet. C'est Jerry, beau 50 de Spoods, mais Sim de Goon est là, on se fait démo. Jerry attend sur le mur. Et c'est bien fait de Quint, beau dégagement. Sim de Goon remet. Oh, attention, là il y a le petit cafouillage en zone neutre, mais c'est correct. Banane qui remet, va pouvoir se replier. Jerry qui va pour le challenge, un beau 50-50, assez neutre. Attention, tir dangereux de Quint, c'est un petit peu trop là. Oh. On s'en sauve bien là ici, DM, on n'était pas très bien placé en défensive. Christian pour un dribble, c'est bien repoussé par Jerry dans le coin. Sim de Goon, bien défait. Là, l'Université de Montréal, là, on sent que ça commence à être beaucoup la pression. Il va falloir trouver une façon de sortir du territoire puis gagner un peu de contrôle à l'offensive. C'est Spoods, attention, double commit. Mais vers Christian, Christian qui va prendre son temps avec le ballon pour compléter le dégagement. Jerry qui remet au centre, mais c'est Spoods premier sur le ballon. Attention, Spoods, on le sait qu'il est dangereux. Spoods, flip reset peut-être. Il va pour le 50-50 dans le coin, mais c'est Banane qui promet au ballon. Banane remet pour le centre. Allez, Banane, on le sait qu'il peut. Christian est premier au ballon. Qui a mis Banane, a mis le ballon un petit peu trop loin pour s'emparer. Mais attention, est-ce qu'on a une cage ouverte? Et non, c'est bien arrêté de Christian qui s'est de peu et de mal repris. Banane, un bump. Et on le bump dans l'arrêt pour Spoods. Ça passe, prêt. Et là, on voit que l'Université de Montréal recommence à prendre un peu de contrôle. Et aussi, je dis ça, Quint, beau tir. Et encore une fois, le poteau. Aïe, aïe, aïe. Là, on commence à rater beaucoup de chance du côté de Saint-Clair Saints. Ça commence à être. Ça doit être frustrant pour les joueurs adverses. Mais 3 minutes dans l'overtime, c'est toujours 1-1. Quelle partie, tout le monde. C'est Banane qui va mettre un 50-50 pour Sim de Goon, c'est assez neutre. Jerry va devoir faire attention, il est dernier, il se fait chasser par Spoods. Mais c'est bien fait, il se défait son adversaire encore une fois. Sim qui met un 50-50 vers le centre. Jerry, une passe ici. Donc Banane va remettre dans le coin. Et là on va devoir faire attention, c'est Quint qui prend un tir. Jerry, je crois que c'est fait bumper et quel but! Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Banane de peu qui a eu le bump. Je crois que Jerry s'est fait bumper de l'autre côté et ça va être 1 à 1 la série. Quelle partie proche, 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 proche. Aïe aïe aïe.
Donc c'est 1-1 ici. Oh, là je crois qu'il y a eu un petit jeu de déconnexion pour un joueur. On va voir si ça va affecter. Ah, c'est Quinn qui a bien rejoint le match. Allez, on est reparti pour cette troisième partie. C'est l'égalité 1-1 dans la série. Donc Jerry ici. Tu vas remettre à la mise au jeu, c'est bien fait de Quinn. On remet vers le centre. C'est défaite ici. C'est Quinn qui va reprendre vers le centre, qui va mettre pour lui-même sur le côté. Belle double touche, mais Banane est là pour s'en défendre. Tiré mis dans le coin. On va voir si Christian va pouvoir faire quelque chose avec la balle. Christian qui reprend un dribble. Beau dribble, bien contesté par Jerry qui remet en arrière pour Banane. Attention, Banane filet désert. Non, Quinn va bien se replier défensivement. On va pour un démo et c'est presque fait. C'est Jerry qui reprend le ballon dans son neutre qui remet. Pour lui-même, Jerry, oh c'est bien, oh un petit peu, on joue un petit peu de chance là du côté de Sinclair qui réussit à dégager ce ballon après un petit double action de défensive. Sindegoun bien arrêté, une deuxième fois bien arrêté, Quinn qui remet sur la barre, Jerry qui se fait bumper, mais c'est correct, on reprend. Banane, pas beaucoup de carburant, qui se fait chasser sur les... Et là on voit là que Sinclair joue vraiment physique là. Banane 12 debout sur le backboard, peut pas se défaire. Christian qui se fait bumper et spools à une cage complètement déserte. C'est 1-0 pour Saint Clair Saints. Sindegoun perd la mise en jeu, mais c'est remis en fait pour Jerry. Jerry qui va rater son action, ça va être repris par Christian. Bien contesté de Sindegoun. Jerry qui va laisser pour Banane. Banane qui va prendre son temps. Banane s'est défait d'un joueur, s'est défait d'un deuxième. Mais il n'y a personne malheureusement avec la démolition sur Sim. On était un peu en transition. C'est Spoot qui va reprendre. Sindegoun se défait bien, mais c'est Quinn qui va reprendre. Et il prend son temps par-dessus Banane. Sindegoun qui se défait de Quinn. Il se dit, moi aussi je peux jouer physique. Alors on va essayer ça. Christian qui reprend sur le mur et après une tête de Jerry. Banane qui s'en va dans les airs. Bien fait parce que Sindegoun venait de se faire détruire. Qui remet sur le sol. Un tir, on n'a plus de carburant malheureusement. Attention, double commit de Sinclair, mais c'est correct. Quinn qui se fait démo par Banane. Jerry qui reprend au centre. Jerry s'en va vers un dribble. Oh, attention, double commit, mais c'est correct, on s'en défait. Banane qui va reprendre le ballon. Banane a un double commit de l'Université de Montréal. Il va falloir faire attention, là, faire preuve d'un petit peu d'une meilleure communication. Jerry, oh, c'est bien fait. Il y avait un deuxième challenge, mais c'est bien arrêté. Jerry, encore une fois, toujours prêt en défensive. C'est bien fait. Qui va gagner son challenge sur le mur. Pour le laisser pour Banane. Banane met dans le coin pour lui-même qui va remettre au centre. Attention! Oh! Et malheureusement, une deuxième touche non intentionnelle qui va défaire le ballon. Sindegoun, attention, un petit fake. Jerry s'en vient pour le 50-50. C'est bien défendu. Là, on a un petit peu plus de pression côté de l'Université de Montréal, ce qui fait du bien à voir. Sindegoun qui va couper le ballon, empêcher Christian de sortir. Mais c'est Quinn qui se défait du ballon assez bien. Donc, Jerry qui remet. Et il se fait bumper encore une fois. Et on voit beaucoup de démolition. Le Banane qui va remettre par-dessus Spoods. Non, Spoods qui défend bien la cage. Spoods va se défaire de un joueur. Mais c'est Sindegoun qui reprend. Christian tire. Banane intercepte le ballon. Bien fait. Zéro carburant. Va falloir faire attention. Il se fait battre par Quint. Jerry qui reprend pour lui-même dans le coin. Spoos va rater son challenge. Est-ce qu'on va remettre au centre? Malheureusement, il n'y a personne. C'est Christian qui va prendre un tir. Bien fait par Sindegoun. Banane qui reprend le ballon pour lui-même. Flip puissette par-dessus à côté de Quinn. C'est bien fait. Là, je crois pas qu'on a beaucoup de boost pour Banane. On va essayer de faire un jeu, mais c'est Spoos qui l'empêche. Spoos qui reprend encore pour une fois. Il est partout sur le terrain, ce Spoos. C'est Quinn qui va remettre encore une fois ici. Quinn dans le coin. Là, va falloir tirer un peu plus pour les filets pour l'Université de Montréal. On a des pressions qui s'installent, mais aucune action concrète vers les filets. Et Christian qui remet dans le coin. Il est battu par Banane. Banane va reprendre ce ballon qu'il met sur le backboard. C'est bien fait de Christian qui a suivi. Beau tir de Sindegoun, mais c'est bien repoussé par Spood. Banane qui reprend sur le côté. Sur le backboard, c'est bien défait de Quinn. Sindegoun qui laisse pour Jerry. Jerry pour lui-même sur le côté. Beau pinch avec le sol. Et se fait battre par Spooz, mais Banane est là derrière.
Banane, un petit peu de cafouillage ici. Alors, on a Calor dans le coin, on va faire attention. Banane, assez de boost. Ici pour Jerry. Jerry qui va essayer de remettre pour lui-même. Ah, c'était bien pensé, mais on réussit pas à exécuter. Alors, attention, c'est raté. Sim de Goon qui remet pour Jerry. Jerry, beau tir par-dessus. On rate dans le filet. Spooz, oh, c'est un petit peu trop. Oh non, c'était tout près. On a eu des bombes en plein devant net. C'était notre chance. C'était la chance de l'emporter. Aïe aïe aïe, là, 30 secondes. Va falloir faire une attaque assez vite si on veut égaliser pour aller en un deuxième overtime. Jerry pour lui-même. Qui bat Spooz, mais qui la remet dans son coin. Christian qui va être là pour compléter l'action de Spooz. C'est bien contesté par Sim de Goon. Mais Spooz qui est encore là pour le clear. On n'a plus qu'à 15 secondes à écouler. Et c'est un tir de Quinn qui va rater. Banane remet. En zone centrale, c'est Spooz qui remet pour lui-même, qui va aller dans l'autre contest, mais gagné par Banane. Attention, ça va revenir derrière le filet, mais c'est bien défendu de Christian. Sim va devoir mettre au centre, mais Quint est premier, qui va mettre sur le côté. Ballon touche à terre, et la partie sera terminée, mais attention, c'est pas fini. Banane qui remet au centre. Banane pour Spooz, qui va mettre sur le côté, et c'est 2 à 1. La série, désolé le score sur ici, mais c'est en fait 2 à 1. Pour... Saint Clair. Ok, je vous ai arrangé ça. Je vous rappelle, c'est un BO7, donc c'est sûr que si l'université perd cette partie, c'est pas tout à fait terminé, mais il va falloir faire attention. Là, on aimerait bien ça égaliser. On aimerait bien ça égaliser la série. Donc, on va remettre le face-off. C'est pour Banane. Banane dans le coin. Banane qui part un dribble. Oh, c'est fait d'un joueur, c'est fait d'un deuxième. C'est bien arrêté de Christian. Team de Goon va se faire démolir malheureusement. Et un petit bumper passant pour Christian sur Jerry. Oh, et attention, Banane se replie bien. Il va couvrir la cage. Banane pour lui-même, encore une fois, Banane. Il va essayer de battre Christian, c'est bien fait. 50-50 vers le centre, mais il n'y a personne. L'Université de Montréal, là, c'est une bonne chance là, de capitaliser sur le jeu de Banane, mais il n'y avait personne malheureusement. Une démolition encore une fois sur Sim de Goon. Et là, cafouillage défensif, c'est Christian pour lui-même. Et là, les trois joueurs de l'Université de Montréal étaient dans le même paquet, comme on dit. Sim de Goon s'est fait démolir. Jerry et. Tu sais, manque de communication de Jerry et Banane. Je crois que Jerry a poussé Banane vers le ciel. Donc, on n'a pas pu s'en défaire. C'est un 0 Sinclair qui ouvrait la machine offensive de bonheur. Les autres jeux gagnés par Sinclair pour leur joueur en arrière, Quint. Banane qui fait bien. Christian qui remet pour lui-même, c'est bien fait de Jerry. Spooz qui remet dans le coin pour lui-même, aucun carburant, on va essayer de la remettre vers le centre. C'est Sim de Goon qui va se défaire du ballon, attention, bien contesté de Quint. Banane va devoir bien faire, c'est bien fait, il remet vers le centre, mais attention, Spooz qui est déjà là. Spooz deuxième touche presque, mais c'est raté de peu. Banane qui remet pour lui-même, là on voit que la pression commence encore une fois, on suit un peu la deuxième, l'allure des deux derniers matchs, là, beaucoup de pression du côté de Sinclair Saint, c'est Jerry qui va remettre au centre. Banane tire un petit peu à la gauche du filet, c'est repris par Spooz pour lui-même. Qui va encore une fois, mais c'est bien fait de Sim de Goon. Mais on est sur le backboard déjà pour Quint qui remet. Quint qui remet en zone de l'Université de Montréal. Banane qui remet pour lui-même. On aura passé de carburant pour se rendre. C'est Christian qui conteste bien le ballon. Sim de Goon va prendre le ballon sur le côté. On va essayer de la remettre sur le plafond. Double commit, attention, c'est qu'on va pouvoir capitaliser. Banane qui a tout le temps du monde. Va se setup pour un air dribble. Et c'est raté, repoussé par Christian. Qui est très rapide sur le ballon, Christian. Qui connaît les habiletés de Banane, ne veut pas le laisser prendre trop de temps. Donc on saute quand on peut. Attention, double commit. Et c'est raté de peu la double touche. Et c'est Quinn qui va remettre. Et c'est raté encore une fois. Oh là, on s'en sort bien. L'Université de Montréal, on était hors position. Mais on s'en sort pareil. Une démolition sur Sim de Goon. C'est Banane. Banane prend le ballon dans le coin. Et là, c'est Spooz qui remet. Qui essaie. À chaque fois qu'on complète une action, on essaie de faire des démolitions du côté de Sinclair. Ça fonctionne. Banane qui remet par-dessus un. C'est
pas réussi. C'est Christian qui conteste. Là, on est pogné un peu dans notre zone. C'est Sim qui s'en va d'un beau dégagement, mais c'est déjà contesté par Spood qui va remettre vers Quint. Jerry. Jerry reprend ses Spood encore une fois. Christian qui complète. Toujours des actions d'équipe du côté de Sinclair. On se voit bien sur le terrain. Les Spoods qui va reprendre avec plein de carburant. C'est bien contesté par Banane qui se fait aussitôt mettre de la pression par Quint qui va remettre vers le centre. C'est bien fait. C'est bien arrêté par Sim. Christian s'en venait dangereusement. Spoods vers le centre. Il n'y a personne. C'est Banane qui s'empare du ballon qui va voir Jerry se faire démolir. Il va devoir garder le ballon en contrôle. C'est ce qu'il fait. Il se défait de deux joueurs. Mais on a Spoods déjà sur le ballon qui ne laisse aucun ballon se rendre dangereusement vers son filet. Bien arrêté de Sim. Là, on joue beaucoup de défensive, on joue un peu sur le pied arrière là, du côté de l'Université de Montréal. On voit que la pression est beaucoup, va falloir trouver une solution, peut-être aller plus pour des jeux physiques comme que Sinclair font. C'est Sim de Goon qui va remettre, bien challenger du côté. C'est Banane qui va faire un fake, c'est correct. On remet à Sim, mais aussitôt Quinn qui est là sur le ballon pour mettre de la pression. Double touche, c'est raté, on remet dans le coin. Sim de Goon va s'emparer du ballon qui va réussir à en battre un, mais s'il se pose encore une fois qui est déjà prêt sur le ballon. Jerry, attention, belle défensive qui remet. Il va devoir challenger le ballon encore. Et il la remet vers le centre. Banane qui remet dans le coin, réussit à repousser. S'il se pose encore une fois, Banane qui remet vers le centre. On a personne, là on voit qu'on est complètement embouteillé dans notre propre zone du côté de l'Université de Montréal. Là, ça commence à être difficile, le carburant commence à être limité. Beaucoup de pression, Sinclair, là il reste juste une minute. C'est bien un zéro, mais il va falloir essayer de mettre un petit peu plus de pression offensive. Démolition encore une fois sur Sim de Goon, c'est Quint qui remet dans le coin. Quint qui va prendre son temps. Sim de Goon va rater ce ballon, mais c'est Banane qui reprend. Banane fait bien. Jerry qui va pour le boost, c'est bien arrêté par Sim de Goon. Et ça va être 2-0. Oh là là là. La pression insurmontable de Sinclair. Bel arrêt de Sim, mais malheureusement, qui est pas capable de se rendre au ballon assez vite pour la deuxième partie. Donc on a 36 secondes. Ça va être très difficile de faire deux buts. Il n'y a rien d'impossible, mais il va falloir faire une bonne attaque de la mise en jeu. C'est Banane qui remet pour lui-même. Banane au centre, c'est raté malheureusement. C'est Jerry qui va reprendre. Jerry pour lui-même dans le coin, c'est bien fait. Mais 22 secondes, il va falloir un tir dans les 5-10 prochaines secondes. Ouais, c'est Spoods qui remet dans la zone. Sim de Goon va devoir se faire de son adversaire. C'est Christian Jerry, double commit en défensive. Quint qui remet pour lui-même, c'est raté de peu. Et là, on a juste à écouler les 10 dernières secondes et ça va être match point pour Sinclair. Oh là 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 là, là c'est 3-1 Sinclair, on est sur le match point. Donc, match point pour Sinclair, il va falloir trois parties parfaites d'affilée pour l'Université de Montréal pour pouvoir remporter cette série-là. Ça va être difficile. Mais c'est pas fini, on lâche pas, on est capable. Je veux voir dans le chat, on encourage notre équipe. Donc c'est parti pour ce match numéro 5. Yes, Giant Sky, c'est ça qu'on veut voir, du support pour nos joueurs, c'est gagné. La mise en jeu, c'est Jerry qui va remettre. Spoods se défait bien du ballon, attention on a un challenge de Banane qui va remettre un petit peu un dégagement en faveur de Spoods, mais une belle démolition. Sim de Goon qui va remettre dans le coin, Quint qui remet vers le centre, il n'y a personne, attention on va pouvoir faire un tir. Beau tir franc de Banane, quel arrêt de Christian. Et là Sim de Goon qui change sur la voiture qui appelle communément le char Kevin. Donc on va voir s'il va être capable. Oh attention, c'est raté dans le coin et Spoods qui a une cage complètement déserte. Banane, je crois qu'il s'en veut un peu là, de ce ballon-là, qui aurait pu s'en défaire, mais
C'est raté, c'est 1-0, encore une fois, pour Sinclair. C'est Bannon, mise au jeu neutre, mais c'est Spooz qui est là pour un tir vers le filet assez faible. C'est Jerry qui va contrôler, qui va remettre par-dessus un Bannon contesté, encore une fois, aussitôt par Christian. C'est Jerry, Jerry qui reprend, se remet pour lui-même, en bas 1, en bas 2. Pas un deuxième, j'allais dire, mais Spooz qui reprend, fait un beau travail défensif. C'est Bannon qui remet dans le coin, c'est Christian qui se défait du ballon. C'est bumpé à Jerry, attention, se fait pousser un peu sur le filet, c'est Quinn qui va devoir remettre. Bannon gagne aisément son challenge, là attention, on a peut-être une cage ouverte, non, beau repli défensif de Spooz. C'est Sim de Goon qui remet Mojiton encore une fois, qui est sur le ballon, c'est le cher Spooz. Donc Jerry, Jerry qui va dans un dribble, remet au centre, bien contesté, c'est dans le coin, mais Spooz encore une fois est là, qui va battre Bannon de vitesse. Sim de Goon qui remet vers Bannon, c'est pas assez fort, Jerry va devoir faire attention, dernier homme en défense défensive. Oh, on visait Sim de Goon pour le dégagement, mais des belles démolitions de Christian. Flip reset, arrêt, bien fait. Oh, on est bumpé ici, cage temporairement ouverte. Là, faut faire attention, pas être trop pogné dans le même paquet comme on dit. Jerry se défait bien du ballon. Là, on voit que la pression, encore une fois, pour une troisième partie de suite, quatrième même, si je m'abuse de suite, la pression sans cesse de Sinclair. 50-50 pour Bannon, c'est bien fait de la part de Sim de Goon. Bannon qui fake le challenge et c'est bien arrêté de Spooz qui n'a pas bougé un poil, qui savait que l'angle était restreint. Et c'est Sim de Goon qui va rater ce ballon. Et Spooz encore une fois, oh là 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 là. Cage complètement ouverte là, ça fait deux erreurs défensives qui coûtent cher à l'Université de Montréal. Et c'est Spooz qui va encore une fois être la bonne place au bon moment. Une cage déserte et c'est 2-0 pour Sinclair Saints. Donc là, il va falloir se réveiller du côté de l'Université de Montréal si on va avoir une chance de gagner cette partie et de rester dans la série. C'est Sim de Goon qui remet dans le coin pour lui-même, mais c'est bien défaite de Christian. Bannon, flip reset, air dribble, c'est pas pour lui-même, mais c'est pour Jerry. Oh, pas assez de carburant pour Bannon pour se rendre à ce ballon. Sim de Goon qui remet dans le coin, c'est bien fait. Jerry pour lui-même dans le coin. Jerry va rater la cage. Et c'est Quinn qui est premier au ballon. Attention, là on a une cage complètement ouverte. Bannon bien fait dans l'autre coin opposé pour Jerry. Jerry qui va remettre pour lui-même. Mais encore une fois, Christian est premier au ballon. Il se fait bumper, mais c'est pas grave. On a quelqu'un pour contester. Donc on a Quinn. Quinn qui reprend le ballon. Quinn bien fait. Mais c'est Sim de Goon qui va faire un gros clear. Jerry, une belle touche. Mais Spooz, encore une fois, il est partout ce Spooz. Il se dégage à lui, il fait l'arrêt et dégage le ballon à lui-même. Pas besoin d'équipe, il le dit, je l'ai fait tout seul. Et là, c'est Christian qui conteste Jerry. Attention, c'est en jambe dangereuse, mais Bannon est déjà là. Bannon s'en va d'un contest, c'est gagné par Spooz. Spooz par-dessus Jerry, attention, Sim, dernier défenseur, bien fait. Mais là, on va voir ça de Christian, c'est bien fait. Là, on n'a pas beaucoup de carburant, là. C'est Sim de Goon qui remet vers Bannon, un petit peu loin. Spooz, encore une fois, dans le coin, il va remettre vers le filet. C'est Jerry qui s'en vient, dernière minute. Oh, et quel tir de Christian du coin. Oh là 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 là. Et là, on voit que Jerry met un ballon vers le côté, mais Christian qui s'appelait déjà et Bannon par-dessus lui. Il n'y a pas assez de temps pour réagir à ce ballon. Oh, c'est bien fait là. On joue très très bien du côté de Sinclair. Donc la mise en jeu, encore une fois, gagnée par Sinclair. C'est Bannon qui remet pour lui-même dans le coin. Et là, il va falloir jouer un petit peu plus désespéré du côté de l'Université de Montréal si on veut faire le comeback. Et là, c'est challenge gagné par Spooz qui remet au centre pour derrière. Une démolition et c'est un quatrième. Oh, ça devient difficile là, du côté de l'Université de Montréal. C'est Spooz qui remet super bien au centre. Quinn qui s'en va démolir le joueur qui aurait pu peut-être faire l'arrêt ou s'en lancer sur le ballon. Et c'est 4-0 pour Sinclair dans ce match numéro 5. Donc Sim de Goon. C'est gagné par Quinn. Jerry, bel arrêt. C'est Spooz qui s'en vient. C'est un cinquième but pour Sinclair. Là, on voit Spooz 860 points. 3 buts, je m'abuse. 4 arrêts, là. Il est partout. Et c'est 5-0. Donc, mise en jeu assez neutre. C'est Bannon qui reprend vers le centre pour Sim de Goon. Et c'est Bannon qui reprend le ballon vers le centre. C'est bien défendu. On remet dans le coin. Bannon qui reprend encore le ballon vers le centre. C'est
C'est Quinn qui se défait. C'est Banane, Banane qui reprend. Banane pour Sim de Goon, c'est bien arrêté encore une fois par la défensive. Christian, premier au ballon encore une fois. Christian vers le centre, c'est bien défait. C'est Sim de Goon qui s'empare du ballon. C'est supposé qu'il l'attend. Un beau bump, mais pas assez de force, pas assez de conviction dans ce bump, malheureusement, pour rien faire un jeu. C'est Sim de Goon, attention, qui est temporairement déserte. Et c'est Quinn, je crois, qui va donner un petit cadeau à l'Université de Montréal. Il veut pas que ça finisse 5-1. Ça va être le but crédité à Sim de Goon, quoique Quinn s'est dit, je vais vous aider un peu. C'est 5 à 1 l'Université pour Saint-Clair dans ce match numéro 5. Mise en jeu remporté par l'Université à Jerry qui ramène dans le coin. C'est Christian qui reprend le ballon, c'est bien fait. C'est remis au centre par Quint, Sim de Goon qui ramène dans le coin. Et c'est premier au ballon pour Banane. Christian qui rate son dégagement, on a juste à écouler le temps. Et malheureusement, l'Université de Montréal qui ne réussira pas à commencer le comeback. Ça va être une victoire de 4 à 1 pour Saint-Clair. GG's, c'est bien fait. Ils ont clairement été la meilleure équipe. Ils ont vraiment été la meilleure équipe. Et là, on voit GG's avec fromage et on voit un petit peu de troll, je crois, dans le chat. Donc. Malheureusement, l'Université de Montréal va s'incliner en finale du Canadian Esports National contre Saints 4 à 1. C'était pas facile les matchs là. On a vu que chaque partie on gagnait de la confiance du côté. Je crois que la deuxième partie avec le 3 minutes de temps supplémentaire en prolongation, il nous a pas fait du bien le but. Je crois que c'était. Si c'était 2-0, peut-être que c'était une histoire différente, mais bon. Bien joué du côté de Saint-Clair, ils nous ont montré toute une performance. Ils ont joué un excellent match. Donc, félicitations à eux qui vont emporter ce tournoi. Pareil, une grosse félicitation pour l'Université de Montréal. Quand même, on s'est rendu en finale, c'est pas rien. On s'incline notre première série en finale. Donc, je veux de l'encouragement dans le clavardage pareil. On reste positif, puis on va se reprendre dans un prochain tournoi. Donc, pour ce soir, c'est tout ce qui va être pour le stream. Il n'y avait pas d'autres parties, séries ou jeux à l'horaire pour ce soir. Donc, ce fut un court stream. Malheureusement, on ne réussit pas à gagner cette série et ce tournoi, mais on est quand même fiers de nos bleus. À l'Université de Montréal, on se reprend. Et pour moi, ce fut Zest. Je vous souhaite une excellente fin de soirée à tout le monde et j'espère qu'on va se revoir bientôt sur nos ondes pour plus de contenu Nouvelle Mi Sports. N'oubliez pas de cliquer le bouton follow pour savoir quand qu'on est en direct pour vous encourager toutes nos équipes du club électronique eSports. Donc, encore une fois, passez une belle soirée et faites attention à vous, les amis.